Salut à toutes et tous, merci d'être en notre compagnie pour suivre ce nouveau match de football. Et le Vénard qui va vous commenter cette partie sous la pluie, c'est, vous vous en doutez un peu, moi-même, Hervé Matou. J'espère que les deux équipes vont nous offrir un bon spectacle. On le souhaite tous. J'espère que la partie d'aujourd'hui va nous offrir du beau jeu comme on l'aime. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre? Tacle impeccable, ce sera une touche à suivre. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, la tentative. Et le but! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. On revoit ce raid solitaire. Le ballon qui lui colle au pied. Les appuis sont excellents. C'est vrai que la défense peut paraître un peu passive, mais il n'y a rien à faire hein, face à ce talent. Oh, dommage, stupide ce ballon perdu. Le tir est. Allez, c'est donné par-dessus. Allez, on peut dire que ça a été chaud hein, pour la défense. Ballon en profondeur. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. À cette reprise, on va dire que c'est une passe décisive, mais pour Thomas Pesquet dans la station spatiale. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Alors, je signalais un peu trop d'anticipation certainement. Dommage parce que le centre était bon. Cherche une solution là. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Parce qu'ils se succèdent en espérant trouver la faille. Ouais, elle a lutté après un peu reprendre ce ballon. Ouais, ça, c'est très bien défendu. En train de remonter le terrain. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Attention, il y va tout seul. Et c'est un but. On voit ce ballon en cloche qui a mis la défense en grande difficulté. Ensuite, il reste bien debout malgré la pression de la défense. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. La passe est coupée, bien défendue. En termes de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. Par hasard, hein, si l'équipe mène au score. Dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse, elle lance le contre. Allez, encore un but et ce sera l'égalisation. On revoit les images de la contre-attaque. Cette face à face qui est remportée grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Et 2-1 donc maintenant. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Allez, après tout, pourquoi pas. Il faut trouver une option disponible.
C'est une grosse occasion ratée. Mais on va dire que c'est une occasion. Ça prouve qu'il n'est pas trop tard, qu'il est encore possible d'égaliser. Là, il fallait intervenir urgemment. Attention à la contre-attaque. On cherche des solutions là. Il s'échappe. En prise. Ah, c'est les défenseurs ne le connaissaient pas. Maintenant c'est fait. Hein. C'est son troisième but personnel. On voit la contre-attaque qui amène ce but. Il choisit la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Et avec ce deuxième but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Corona. Là, c'était un bel essai. Il fallait le tenter. Quand on a deux buts de retard, il faut de toute façon essayer ce genre de choses un petit peu audacieuses. Il lui redonne. Oh, la puissance. Voilà, si vous voulez, la puissance sans la précision. C'est ça. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Tout seul face au gardien. Attention à cette occasion. Oh, il n'y avait plus personne dans la cage. Il n'y avait plus personne dans la cage. Un peu étrange, un peu baroque ce but là. Je ne sais pas où était passée la défense. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Ah, peut-être la passe levée. Ce sera finalement une touche, hein, tout près vraiment du poteau de corner. Bon, c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche. Il y a du monde sur lui. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Une minute. C'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Ah oui, c'est bien fait ça. Le bon ballon. Un but tout en finesse. On voit ce face à face avec la finition en puissance. La mi-temps ici donc 5 buts à 1. Voilà, c'est reparti. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. La défense qui parvient finalement à s'en sortir. Un ballon récupéré par l'adversaire. Ouais, le bon ballon donné par-dessus. En profondeur, attention. Et la contre-attaque qui va s'arrêter là. La défense.